Ça devrait être bon. Excusez-moi, ça a été un peu long. Attention, normalement, il y a tout. Et il y a le son avec. Allez, on y croit. Croisez les doigts. C'est important chez vous aussi. Levez les bras en l'air et croisez les doigts. Ça marche. Il y aura au moins eu un setup qui aura marché dans la journée. Oh putain, il y a du son sur la Wiimote. Ça va être pratique. Putain, le bas. Mais ça, c'est quoi? Oui, attendez, non mais je... oui, non mais attends, qu'est-ce qui se passe? Non mais j'avais dit qu'il y avait un setup qui devrait bien fonctionner. Ah. Comment ça l'acquisition est dégueulasse? Mais non, c'est beau. S'il vous plaît. Là, ça va. Là, on est d'accord, ça va. Bah oui, il y a le son de la Wiimote. Je suis désolé. Non, là, c'est bon. Bah oui, le son de la Wiimote, et ça se désactive pas, j'ai l'impression. Oui, il y a une image qui est restée un peu... C'est bon. Bon, comme d'hab, je sais pas à qui sont les mis par contre. Ah, c'est censé être moi ça. Voilà, haute nervus, on choisit quel portrait. Menu home pour le son de la Wiimote. J'utilise très très rarement. Oh, ça va être pratique. J'utilise rarement la Wii, hein. Putain, mais... Ça va être génial. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète, qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les taudes ramenèrent ces éclats d'étoiles au château où ils se transformèrent en super étoiles. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles, qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Je suis désolé, je suis loin à la webcam, mais j'ai pas trop le choix. Par contre, comment il pète la classe Mario Galaxy, parce que je l'ai testé un peu tout à l'heure. Alors j'ai vu que je pouvais faire ça pour choper les étoiles. Oh putain, ça capte pas. Oh, faut que je me recule. Oh bordel, va falloir que je recadre la cam un peu. Hein.
Oh, ça va être génial. Ça va être un grand moment. La scène Sorwar, elle est déjà contre la télé. Je suis trop près de ma télé. Sinon, je peux me mettre là. Attendez, regardez. Non, je peux me mettre comme ça. Vous voyez juste les mains. Et j'ai pas d'autre endroit où le mettre, le capteur. Non, mais je recadrerai la cam. C'est pas grave. Il est tellement beau ce jeu pour de la Wii. Voilà, c'est comme ça qu'on capture une console. Voilà, je tenais à le dire. C'est totalement la musique des vaisseaux du 3. Le retour, non, c'est ce que... J'ai pas besoin de m'en servir du pointeur. Vraiment, je peux jouer juste avec ça. Ah ouais, du coup, je peux me rapprocher. En fait. Je peux faire des trucs, hein, non ? Oh, ça lance des étoiles. Ouais, je fais moins. Le pointeur sert pour le joueur 2, il peut capturer les étoiles et tirer. Bon, qui c'est qui vient jouer avec moi alors? La réelle, elle est tellement folle comparée aux autres sur Galaxy, là. Ouais, plutôt que d'enlever la princesse, autant enlever le château, hein. C'est pas con, hein. Là. Alors, Ivana, t'es là? Si tu peux m'envoyer la liste par Discord, ce serait largement mieux. Je fournis les sandwichs? Ouais, ça je peux. Ouais. Mais même Mario, il est trop bien fait! Salut Vitalini. Bah t'as le droit. Y'a des gens qui aimaient bien Hitler, hein. Tellement choupi le lapin, putain, j'ai envie de le taper.
Alors viens jouer avec nous. Je te dirais, quel est cet endroit si tu nous attrapes tous? C'est vrai qu'il fout un peu la gerbe. Faut être accroché, hein. D'accord. Et la caméra elle va partir en vrille comme ça constamment. C'est une référence à Mario 64. Secoue ta Wiimote. J'aurais dû me cacher dans un trou. Ça fait rien. Salut Martin Saltel, ça fait rien du tout. Du coup, je l'assomme avec des étoiles. Je me suis fait une crampe. Ah, c'est bien, en fait il te donne des indices où est le prochain. Les hautes herbes. Ah, c'est compliqué, hein, quand la caméra, elle... sur console, Martin Saltel. Là, je capture la Wii direct. Ah, je vais pouvoir aider maman. Oh, Sonoya, ça va bien. Excusez-moi, je bois. Venir ici si soudainement, nous nous trouvons sur un astre qui relie la Terre et l'espace. Nous l'appelons le portail céleste.
Notre maman t'attend là-haut. Va et écoute sa requête. Ah, c'est la waifu. Si, il fait un peu chaud là aujourd'hui. C'est j'observe depuis très très longtemps, depuis cet endroit, le portail céleste. Je sais plus son nom. Harmonie. Bon, Harmonie, je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Ce jeu vieillit très bien, il n'est pas si vieux que ça encore, hein. Je te confie ce Luma. C'est vrai, ça s'appelle Rosetta en VO. Non, c'est Rosalina. Non, c'est pas Rosetta, gros œil. Ciao, Luc. Bonne nuit. Putain, mais ces étoiles qui ont trop mangé. Ouais, 10 ans, ça va, hein. Vous pouvez à présent tournoyer. La tête de Mario. Rosetta en Jap. Oh merde. Rosetta. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis, les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. Rosalina au Québec, Rosetta au Japon. Tu vois une chose à l'air fragile comme celle-là, agite-la pour tournoyer, et si tu touches un ennemi en tournoyant, il sera assommé. Oh la vache. Oh, je vais me faire mal au poignet. J'en suis où dans le jeu? C'est le tuto, là. Ceci est un anneau étoile et ça sert de base de lancement pour s'envoler dans une planète. Place-toi à proximité et agite Nup pour voyager à travers les étoiles. Allez, envole-toi vers les galaxies. Je te souhaite de tout cœur de réussir. Ah, le motion gameplay, hein. Je t'attendais, je t'avais préparé un anneau étoile, mais une météorite est tombée et elle a éclaté en morceaux. Tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète. Où sont tombés les morceaux d'étoiles? Cherche-les, mais fais attention où tu mets les pieds. Casser, c'est mon jeu. Ça va être dur de regarder le chat en même temps, hein. Sors-moi de là, là les ennemis doivent avoir la clé. Tournoie en agitant lorsqu'un ennemi est assommé, fonce dessus. Drop kick. Mikablo. Bien aidé mes amis, lorsqu'ils sont là-haut dans la forteresse, je vais me changer en anneau étoile. Utilise-moi pour te rendre là-bas. Transformation. Ah.
Ouais, il est gros, lui. Ah non, oui, non. Oui, il n'était pas... Voilà. On met des kills dans les Goombas, c'est bon, c'est mon jeu. Damn, I'm good. Tellement du mal, et puis en plus j'ai des moucherons. Merci Banane Cake pour le follow, bienvenue. Dans ce speedrun de Mario Galaxy. Salut en coured. Bah c'est... Attends, je démarre. Mais ça a l'air cool en tout cas, le début il est bien. Hein. C'est une grande étoile, c'est notre ami. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile. Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine. Bonne bouille les Goombas. Je connaissais pas. Non, je connais aucun Mario en fait. Oui, bah je sais, c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas la Toccata Song machin là. En fait, je connaissais Mario jusqu'à Mario World à peu près. Et après, c'est que de la découverte. Alors, je sais plus le nom, Totaka. Non, c'était pas ça. Je sais qu'il la case assez souvent. Une étoile, le portail cesse la grande étoile emprisonnée. Ok. Oh, le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de faibles lumières d'une étoile de classe 6. Mais Luma devrait être rassurée. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux, ils sont comme ma famille. Je le trouve magnifique, Mario Galaxy. Mais vraiment. Bonne nuit, Miwombat.
Soyez les bienvenus à l'observatoire de la comète, c'est ici notre demeure au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles, notre source d'énergie. Oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celle qui t'est chère se sont également emparés des super étoiles. C'est ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. Putain, mais hey, Bowser, il a presque un plan. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée ne nous permet d'observer que les galaxies proches. Nous observons les galaxies depuis ces salles rondes que nous appelons les dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles, tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. Salut, j'ai le tour de qui. Encore une petite heure jusqu'à minuit. Parce que demain... non mais j'ai posé la manette. Demain, grosse journée. Ok, il n'y a personne après moi demain. On va rigoler sur Tezo ou sur Overwatch. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles, tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver Super Saiyan. Donc ça doit être ça. Je joue pas Super. Je joue ce qui manque, moi je file généralement Snap. Mais je compte sur vous pour me donner plein de conseils. Voici l'un des nombreux dômes, nous l'appelons la terrasse d'observation des étoiles. C'est bien la... C'est quand même... La seule truc qui est bien avec la Wiimote, c'est que genre, tu peux jouer comme ça. Tu peux prendre des positions pas possibles pour jouer. Ouais, je suis bien. Pointe l'étoile, ouais, avec 1 et appuie sur A. C'est élégant en plus, c'est cool. Non, je vais pas me lever parce qu'après j'ai pas de fut. Les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme. Le nombre qui y sont inscrits indique leur distance par rapport à l'observatoire, autrement dit, la puissance nécessaire pour les atteindre. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. Monster Hunter avec la Wiimote, ouais, dur. Hein. L'énergie caractéristique des super étoiles a été détectée dans cette galaxie la plus proche de nous. Mais elle semble également être entourée d'une aura maléfique. Dans son petit caleçon? Non, j'ai pas de caleçon. Mais elle semble également être entourée d'une aura maléfique, fais bien attention. Planète œuf. Des planètes, des œufs et Dino Piranha.
Haute Nervus, tu vois, tout de suite, elle rajoute le petit soupçon de caca au-dessus du gâteau. Tu vois, nous, on est bien, on est là, et blam, elle arrive et casse le truc. C'est vrai que là, la caméra, elle est cool. Hein, tu viens quand tu veux, Haute Nervus, hein, tu le sais, hein, t'es toujours la bienvenue. Hein. En fait, on est jamais petit dans ce Mario. Tu peux ramasser les fragments d'étoiles simplement en les touchant avec le curseur étoile. Ouais, ça c'est bon. Ouais, mais c'est chiant. Mais t'as une vie gratos, ça. Ah ouais. Les streamers comme les viewers, le caca nous unit. 100% des pires tueurs en série du monde font caca, sachez-le. Alors qui sera le prochain? Ah, il y a le saut comme ça. Il y a une voix bizarre, Mario. C'est clair, fais ce caca, c'est vrai. Je repasse là. C'est marrant ça. J'espère plus que d'habitude. Bon, ça va, les planètes sont petites quand même. Si tu es fatigué et que tu veux revenir à l'observatoire, appuie sur l'un ou l'un. D'accord, attention, les fragments d'étoiles que tu as ramassés seront perdus. Ah bah non. Vite, dépêche-toi. Oh, le monde cacahuète. D'accord, faut que je marche sur le sable. Mmh.
Ouais, vraiment, il y a un taf de ouf sur la musique. Mais oui, le monde cacahuète. Et là, c'est un monde... Là, c'est le monde poire. J'en prends plein les yeux, moi je suis content. Hein. Oula, il est tout cassé. C'est cool. Surprendre. On sait bien, j'ai récupéré toutes les étoiles que j'ai gâchées. T'as jamais fait ce Mario? Ah, tu l'as commencé hier? Ouais, il est cool, hein. Attention, après avoir tournoyé, attends que la Luma soit revenue pour tournoyer à nouveau. Il y a du cooldown. C'est comme FF14. Condoléances à tous ceux qui sont sur Twitch et qui aiment pas les MMO. Ah mais attends, ça déconne. Oh, il y a des cooldowns, c'est comme FF14. Non mais la plante elle est super stylée. Si toute la difficulté du jeu est comme ça, c'est bon, ça me va. Oh.
Bonne nuit, Doragon. Le premier Galaxy n'est pas trop corsé, plutôt bien dosé. Pourquoi le deuxième, il l'est moins? On retrouve l'étoile caca. Non mais Otnarus, elle a complètement pété le truc. Maintenant, on va l'appeler l'étoile caca pendant tout le jeu. Bravo! Re Supercraft. Elle est fière. T'as dû remarquer les éclats d'étoiles qu'on voit briller un peu partout. On les appelle les fragments d'étoiles, et nous, les humains, en sommes très friands. C'est notre source d'énergie. Pointe l'écran, hein, vise-les avec. Ouais. Pour les ramasser, tu peux également les utiliser pour tirer sur tes ennemis en les visant avec. Ou en appuyant sur. Faisons l'essai, vise-moi et donne-moi un fragment d'étoile. Un peu malsain quand même. Bravo, disons que ce sera ma rémunération pour cette leçon. Les fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure, sois-en sûr. Tu peux les lancer sur tes ennemis, mais aussi les partager avec les lumas affamés qui t'en remercieront. Il y a Yoshi dans le 2. Putain, mais tu spoil. Un appétit aussi. Oula, à mon avis, il va falloir le nourrir. Lui. Il va falloir en ramasser plein pour nourrir. Ah, le haut de l'écran, c'est pas ça, hein. Parle à l'un de mes camarades très gourmand. Si tu le rencontres, tu voudras bien écouter sa requête. Ah, j'ai dû viser. Sérieux le bruit là? Oh le bruit!
pièces qui traînent là. Tadam. Tadam. Là, il n'y a que des étoiles. Sur les combats. D'accord. Voilà. J'en ramasse un max parce que je sens qu'il va falloir que je le nourrisse. Je suis très doué en motion gaming. Hein. Ding ding, étoile, tu n'aurais pas des fragments d'étoiles? J'ai une furieuse envie de fragments d'étoiles. Je veux en manger plein plein plein. Si tu m'en donnes 100, je me transformerai. Ah bah voilà. Ouais, enfin, tous les jeux Wii sont pas comme ça. Hein. Celui-là, il est particulièrement beau. Hein. Ça y est, je suis repu. Alors, on y va. Transformation. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que la sensor bar est en dessous de la télé. Faudrait peut-être que je la mette au-dessus. Mais j'ai pas de quoi la mettre au-dessus. Et en fait, vu que je suis en dessous de mon bureau, des fois, je perds le... Je perds le... Voilà, ça capte plus, quoi. Une nouvelle planète est née. Enfin bref, c'est des setups. Voilà, le setup, oui, je le sors pas souvent. Et mais là, j'étais à fond. J'ai pas besoin de. Là, si je me mets comme ça, ça va tout de suite beaucoup mieux. Je trouve vraiment que Mario a une voix bizarre. Hein.
mariée à une vie. Ah, vraiment, je trouve qu'il a une voix bizarre, Mario. Ah d'accord, je suis au-dessus. Alors, c'est où qu'on rentre? Alors sachez, je vais vous dire un truc, ça va vous faire tout bizarre. Je m'amuse. Voilà, c'est de manière très honnête, je vous le dis, je m'amuse. Ah, je suis désolé, hein. Ouah, t'as des changements de gravité. Oh, c'est stylé. Ah, d'accord. Fallait justement pas attendre. Ah, vous avez vu, le setup marche bien en plus. Ça crache pas. Faut juste que je regarde les mises en veille des écrans maintenant. Hail to the king, baby. Merci Shori pour tes 13 mois de sub. Pour la peine, je vais subber pour 13e mois. Ah là là, 13 mois. C'est presque un an. Hein. Merci beaucoup Shori. Des gros bisous. Attendez, je ramasse des shines, enfin des fragments d'étoiles. Ah bah j'ai tout cassé. Les techniques de speedrun. De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oula. Oula, faut pas tomber. Je peux faire ça? Ah, d'accord, je peux faire ça. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, j'ai un peu mal à ma 3D là. Je crois que ça se voit.
Attends. Voilà. C'est dur de viser. Vous avez trouvé une étoile pleine d'œufs, un appétit cosmique. Oh, mais j'en ai plein! Une nouvelle galaxie. Mais attends, je vais finir l'autre. Oh, bravo, grâce à toi, nous avons découvert une nouvelle galaxie. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus notre champ de vision s'élargira. Jusqu'à ce que nous puissions enfin découvrir la base de nos ennemis. Que je trouve un support de sensor bar pour poser sur la télé. La caméra n'est pas parfaite sur le Galaxy contrairement aux deux. Ouais, ça va encore là. Chatterton. Ah non, ça va abîmer. Tu mets du scotch, c'est bon. Non mais vous rigolez, je mets pas du scotch sur ma télé, je vais l'abîmer, je vais être dégueulasse. La flotte de poules Bobos. Je mets jamais ça sur ma télé. Non, les musiques, elles sont... Les musiques sont vraiment cool. Hein. Pour l'éternité, si vous voulez entrer, veuillez utiliser le tuyau de l'autre côté. Tuyau orange. Ça va me redonner une vie si je le fais ? Essaye de garder les pains. Presque le rythme. Utilise le socle de... Le socle Wii U Gamepad. Et tu mets... par-dessus la sensor. Non mais si vous voulez le setup, il y a ma télé et j'ai un verre devant la télé et la sensor bar posée dessus. Du coup, les gros setups. Donc elle est déjà un peu surélevée. Elle est pas posée direct sur le bureau. Tourne. Merci Mario pour te ramasser, je vais te révéler une astuce. S'il y a des trucs piquants que tu ne peux pas approcher, lance-leur des noix de coco en tournoi. Mais du coup, je vais voir... Contrairement à ce que j'avais dit, je vais voir si. Alors, il me semble que ça marche sur. Je vais voir si ça marche sur le New Super Mario Bros. Et je sais que sur Wii U, il y en a un aussi qui fait ça. Mais essayez d'inviter des gens pour les faire à 4 en coop.
sûr que Gishman il voudra venir à la maison. Parce que faut que je fasse des burgers maison en plus encore. Oula, oula, oula. Je recule un peu, c'est bizarre. Vous êtes devenu Mario Arc-en-Ciel, aucun ennemi ne résiste aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ouah, ce Rainbow Mario. Ce problème de Wiimote, ça va être chiant. Oula, oula. Ouais ouais non mais ça va capter mieux si je recule mais après je suis hors caméra. Déjà que je suis pas très très bien cadré. Ah faut que je leur renvoie les noix de coco. On peut pas attaquer cette année poule, peu d'ici, il faudrait leur renvoyer quelque chose. Oh. Salut Kelly. L'énergie est montée à 6, elle reviendra à la normale si elle retombe à 3. D'accord. Double. C'est vrai que ça capte mieux là. Vous voyez, j'ai reculé un poil. L'image est belle, merci. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Parce que je capture la console direct. Donc je suis très content si tu trouves ça beau. C'est dangereux par là, en cas de besoin, tire les fragments d'étoiles sur les lumières au sol. Tu feras pousser des pièces qui te permettront de regagner de l'énergie. Genre là-dessus, hein. Ah. Oula. Oh, ce poulpe à moustache! Oh, c'est Ashton!
merde, c'est Ganon. Oula, oula, oula. Capture en YQV et en plus j'ai un boîtier spécial qui améliore le rendu des consoles rétro. Alors Ebus, merci pour ton PM, c'est très gentil, mais sache que aujourd'hui récupérer des jeux Wii U c'est pas compliqué. Je te remercie. On dirait presque de l'HD. Ah. Bon après j'ai du matos, voilà. Mais parce que je suis un espèce de psychopathe de la qualité vidéo. Donc voilà. Le royaume des abeilles. Je suis en 480p. Mais... x2. Donc je suis en 960p, en fait. C'est compliqué, hein. Donc je suis en YQV en 480p. Derrière, j'ai un OSSC qui double la résolution de la console. Promis, je me cadre mieux la prochaine fois. Promis. Là, faut que je clique là. Tu permets, je discute, Dengofa, tu permets? Là, faut cliquer, c'est ça? Là? Ah. Et là, vous pouvez voir d'ailleurs à la webcam que... la télé est prête et grande, et j'en prends plein la gueule, parce que ça m'éclaire. Mais ça va. Yes. La musique. C'est pour ça que je suis bleu. Bah parce que la caméra est encore mal réglée. Ouais, surtout, mais tout est choupi dans le jeu, tout est mignon. Et pourtant ça me gêne pas. Alors que dans FF14 ça me gênait. Tu es ici sur notre territoire, le royaume des abeilles. Il est gouverné par sa majesté la reine. Va saluer la majesté, sa majesté. Au château, c'est tout droit. Yeah.
Je pense que c'est pas pour tout de suite, ça. Mais ouais, non, mais les musiques, pour le moment, elles sont géniales, hein. C'est pas le chemin du château par ici. T'accoutrement rouge et bleu qui a mauvais goût, je vais te faire foutre. Oula! Ah, c'est dans celui-là le Mario abeille! Salut 13-31! Mario Abeille, maintenez A pour voler. Oh mon dieu, non mais regardez-moi cette gueule. Oh je veux, d'accord. Ça aura pas duré longtemps. Un cosplay abeille? J'ai pas la moumoute. Oh bordel! Non, parce qu'il a une inertie en vol. C'est tellement n'importe quoi. Mais je pense que je préfère Mario Abeille à Mario Chat. Hein. Mario Chat, c'est tonton, la Japan Expo, qui cherche des free hugs. Ouais, ça ressemble un peu à ça, ouais. Et puis, il y a des vidéos de Mario Chat complètement étranges, bizarres. Ah, je crois que j'ai fait une connerie. J'ai cru que je pouvais aller de l'autre côté. Il a peur de moi. Ils ont l'air tellement énervés, hein. Ah oui, le show de Mario Chat, c'est pas bien. Oui, bah j'avais pas vu le trou noir.
Je regardais le chat. Monter où? Ah, mais c'est dans lequel qu'il faut monter? En même temps, on n'est pas la cible. Ouais, d'accord, je peux pas diriger la caméra. Ah si, je peux diriger la caméra. La galaxie, c'est cool. Ah. Ok. Non, Mario, c'est vraiment cool. Coller, déplace-toi avec une... Oh, un secret. Ok. Salut Bandicoot. Qui es-tu? Un nouveau sujet? Enfin, peu importe, j'ai un service à te demander. Je préfère la reine des abeilles dans Conquer. Ça me gratte un peu partout. Veux-tu bien jeter un œil? Elle demande ça au nouveau qui arrive. Ah bah Mario, il perd pas de temps, hein, il arrive, il grimpe sur l'arène, hein. Là, on va grimper sur le gros dard de l'arène, hein. Non, c'est... Ouais, non, mais ça me semble pas mal sain du tout. Oh putain, il est déjà minuit. On finit ce niveau puis on va s'arrêter. J'ai pas vu l'heure. Salut Skal. Oh mais c'est Captain Toad. Ah, il apparaît dans Mario Galaxy, Captain Toad. Nous aussi nous avons réussi à nous enfuir du château de la princesse Peach. Mais pendant notre fuite, Bowser nous a attaqué et nous avons été séparés de Luigi.
joue à la manette. Bah, j'ai pas le choix, c'est sur Wii. Nous avons trouvé une super étoile. Prends-la, je suis sûr qu'elle te sera utile. J'ai mal là. Dis-moi que ça sauvegarde. Oui, ça sauvegarde. Ah, forcément, il y a du texte. C'est bien si que tu t'appelles, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, tes amis qui sont arrivés ici tout à l'heure. Mario, je ne sais pas pourquoi ce nom me rend nostalgique. On verra après le stream. J'ai conduit tes amis au garage. Ils semblent avoir des choses à te dire. Tu devrais vite aller les voir. Ah, voilà. Après, l'OST est vraiment folle. Ouais, elle est cool. Putain. Ah, j'ai roulé sur le câble, fait chier. Prochain achat, hein, un casque sans fil, hein. Mais vraiment. Hein. Voilà, donc on va s'arrêter là. J'espère que la fin de New Super Mario Bros vous a plu et surtout que Mario Galaxy vous a plu. Mario Galaxy, ça a l'air totalement pété. Voilà. Avis de quelqu'un qui découvre le jeu, ça a l'air vraiment cool. Donc, je vous fais à tous des gros bisous. Le programme du week-end, il est assez simple. Samedi, dimanche, 10h-14h, Tezo Morrowind sur la JVTV. L'après-midi, demain à 15h, on se fera du Overwatch. Le soir, on commentera la conférence IA. Et dimanche, on fera Call of Duty, et après, il y aura la conférence, je crois que c'est Microsoft. Voilà, toutes les conférences, elles seront commentées chez Izang. Voilà, des gros bisous. Merci à tous pour cette soirée. Il y a eu des beaux cadeaux. Passez une bonne soirée. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Des gros bisous. It shouldn't die. Voilà, histoire de bien terminer le stream. Des gros bisous.